Good morgen, allez, Ida, tu seras aujourd'hui le Lune Nishmat, François Vajé Ben Khana, Janine Ruth Bat Fortuna Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, comptez que 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Brachot, Perikvav Mishnachet. Achal Tenim Vanavim Verimonim, Mevarech Achareen Shalosh Brachot, Divrei Rabban Gamliel. Vachachamim Omrim, Bracha Achat Mehen Shalosh. Rabbi Akiva Omer, Afilu Achal Shelek, Vehu Mezono. מברך אחריו שלוש ברכות. השותה מים לצמאו, אומר שהכל נהיה בדברו, רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות. On a deux sujets dans notre Mishnah. La première partie de la Mishnah est de savoir après quel type d'aliment doit-on dire la bracha, le birkat Amazon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traduire la Mishnah telle qu'elle, mettre en évidence les trois avis, et puis après voir ça à l'intérieur de Psukim dans la paracha de Ekev Bezrat Hashem. Je commence avec Achal Te'enim Va'anavim Verimonim. Quelqu'un qui a mangé des figues, des raisins ou des grenades, mais varech achareen shalosh brachot, il devra dire après trois brachot, c'est-à-dire le Birkat Amazon qui est composé de trois brachot. Azan et akol, en réalité il y a quatre brachot, on expliquera peut-être pourquoi ensuite, beaucoup plus tard, mais on a bracha de azan et akol, ala arez ou ala amazon, et uvne yerushalayim, bonne yerushalayim amen. La quatrième bracha, elle est instaurée plus tard, c'est une bracha de Rabbanan, mais selon la Torah, on dit trois brachot. D'accord? Donc, le premier avis de la Mishnah, il me dit, ben écoute, tu as mangé un des sept fruits d'Eretz Israël, pas que le blé et l'orge, même aussi grenade, figue, date, raisin, et bien, dans ce cas-là, quand tu finis, tu fais la bracha de shalosh brachot, trois brachot, d'ivrei Rabban Gamliel. Tel est l'avis de Rabban Gamliel. La chachamim omrim, bracha achat, mais en shalosh. Chachamim dit, non, pas du tout. Si c'était que des fruits de la terre d'Israël, eh bien, tu feras une bracha qui est un concentré de trois brachot. Comme ce qu'on dit dans la bracha de Alamichia à la Kalkala, où on mentionne justement qu'Hachem il nourrit tout le monde, Azan et Akol, on remercie pour la terre d'Israël, comme on s'est dit à la bracha de Kalkala, Valeretz Chemda Tobo Chaba, on fait la bracha sur l'Eretz Israël. Après on dit, vous venez Yerushalayim, mais une bracha en concentré des trois brachot, la petite bracha de Alamichia ou à la Gefen, c'est un concentré des trois brachot du Birkat Amazon. Ça c'est la vie de Chachamim. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva me dit non, Afilu Achal Shelek. Même s'il a mangé une bonne soupe, un légume qui a été bien cuit, et Vehu Mezono, il se nourrit par cela, c'est ça son repas, eh bien, Mevarech Acharav Shalosh Brachot, il fera après lui trois brachot. Donc on a trois avis dans notre Mishnah. Premier avis qui me dit, dès que tu as mangé un des sept fruits de Eretz Israël, tu vas faire le Birkat Amazon entièrement. Le deuxième avis, ça c'est Rabban Gamliel. Chachamim me dit non. Tu fais juste le Mehen Shalosh en concentré de trois brachot. Parce que Birkat Amazon, c'est quand tu as mangé du pain. Troisième avis, c'est Rabbi Akiva qui ne me dit pas du tout. Dès que tu as mangé et que tu es rassasié, quelle que soit la chose qui t'a rassasié, même si c'est une soupe de courgettes, eh bien, tu feras Birkat Amazon. Ça se fonde sur des psukim. Comment interpréter les psukim dans Paracha de Ekev, Perek, Chet, et à partir du pasuk Zayin. Je les lis très rapidement. Ki Hashem Elokecha Meviacha El Eretz Tova. Il nous vante, Moshe Rabbeinu, il vante la terre d'Eretz Israël en nous disant que Hashem, ton Dieu, te fait entrer dans une bonne terre. Eretz Nachalemaim, une terre où il y a dedans plusieurs fleuves, rivières. Ayanot ut Vomot, et des sources d'eau. Yotzim Babik'a ou Bahar, des sources d'eau qui sortent depuis la vallée comme depuis la montagne. D'accord? Eretz Chitaus Ora. Une terre où il y a dedans du blé et de l'orge. Des gefen tena verimon, du raisin, des figues et des grenades. Eretz zet shemen udvash. Et une terre où il y a dedans des olives qui font de l'huile, udvash, et du miel. En réalité, c'est du dvash tmarim, comme on a expliqué. C'était donc des dattes. Donc, ce pasouk-là, il nous a cité dans Hachem, nous vante, Moshe Rabbeinu, il vante la terre d'Eretz Israël en nous disant les. Bien fait qu'elle a la terre d'Israël, qu'elle a ces sept choses-là. Chita, Sora, Gefen, Tena, Rimon, Zet, Zait et Tmarim. D'accord? Les sept fruits d'Israël. Et le passage continue. Eretz Asherlo, Bemiskenu, Tochal, Valechem. Une terre où tu ne mangeras pas ton pain avec pauvreté, Miskenu, avec en mesurant tes. L'Otersar, Kolba, tu ne manqueras de rien. Eretz Asheravanet, Barzel, Obarat, Artsov, Bechon, Nechoshet. Une terre où il y a des pierres de fer et tu feras sortir du cuivre
faire des carrières de ces montagnes. D'accord? Bon, alors on a, prenons, si vous faites attention, alors je reprends maintenant. On a le passouk d'avant, il y avait les sept espèces d'Israël. Après, un passouk qui nous a mentionné une terre où tu mangeras ton pain avec largesse. Et après, le passouk d'arrive, d'après, il vient me dire, Ve'achalta ve'sabata, et tu mangeras et tu te rassasiras, ou Berachta et Hashem l'okecha, et tu feras, feras la bracha à Hashem, tu glorifieras Hashem, ton Dieu. Ala aretz atova, asher natana, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Donc là, on a ici la mitzvah du Birkat Amazon. La Birkat Amazon qui me dit, donc tu mangeras, tu te rassasiras, et tu feras la bracha, tu remercieras Hashem, l'okecha, donc sur ce que tu as mangé, et sur la terre, et atova, on apprend ça par juxtaposition, par Zera Shava, atova, ahar atovazé, on parle du Bet HaMikdash, donc tu racines sur la bracha sur le Bet HaMikdash, on a donc dans ce passouk les trois. Les trois brachot du Birkat Amazon qui sont mentionnés, le fait de manger parce que de remercier Hachem parce que tu t'es rassasié, parce qu'il t'a donné une bonne terre et parce qu'il t'a donné le Bet HaMikdash. Ok? Maintenant, je reprends méthodiquement les trois psukim. Les sept espèces, tu mangeras ton pain, tu te rassasiras et tu feras le Birkat Amazon. C'est sur comment interpréter le Birkat Amazon par rapport à tous ces psukim qui allaient en discussion. Selon le premier avis de la Mishnah, c'est Rabban Gamliel, il dit « Ah !» Tu mangeras, tu te rassasieras, surtout, et tu feras la bracha du... Tu remercieras Hachem sur la bonne terre qu'il t'a donnée, sur quoi? Sur tout ce que je t'ai mentionné. Donc même sur les sept espèces, et même sur le pain. Ça c'est Rabban Gamliel. Donc les sept espèces, tu dois faire la bracha de Birkat Amazon sur les sept espèces. Premier avis. Chachamim me disent, non, tu remontes juste sur le passage de R.S. à Charlotte Bebiskenon, Tochal Banechem. Dans une terre où tu mangeras ton pain avec largesse, et tu te rassasieras grâce à ton pain, donc tu feras la bracha. Mais ça ne s'apporte pas aussi sur le blé, l'orge et les sept espèces. Il n'y a pas de devoir de faire le Birkat Amazon sur les sept espèces. Rabbi Akiva me dit non. Il y a marqué juste, tu mangeras et tu te rassasieras tout ce qui te rassasie. Si toi, chez toi, pour te rassasier, tu manges une bonne salade de carottes, et comme ça tu te sens bien et tu repars pour 4 heures, 5 heures, 6 heures, je ne sais pas, eh bien dans ce cas-là, c'est ça ton repas, tu fais le Birkat Amazon sur cela. D'accord? Sur ce que tu auras mangé. Donc en fait, vous avez compris les trois avis. Est-ce que le Birkat Amazon, c'est sur les sept espèces, c'est sur le pain spécifiquement, ou c'est sur tout ce qui se rassasie? Ok. L'halakha, bien évidemment, elle est retenue comme Chachamim, que tu feras la bracha sur le Birkat Amazon, sur le pain uniquement, mais cela dit, comme le pasouk, il laisse quand même sous-entendre qu'il y a un grand prestige sur les sept espèces, alors tu feras un semblant des trois brachot, tu feras la bracha de la Mikhia ou la Hetz, quand tu manges un fruit des sept espèces d'Israël, comme ça, dedans, tu mentionnes au moins les trois sujets qui sont le fait qu'Hachem te donne à manger, qui t'a donné une bonne terre et qui t'a donné le matamidage. D'accord? Ça, c'est pour la première partie de la Mishnah. C'est ici. Et on continue, deuxième partie de la Mishnah. Ashote ma'im litzma'o. Me omer she'akol niya bidvaro. Celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Pas pour avaler un médicament ou pour faire passer un mauvais goût dans sa bouche, mais parce qu'il a soif, eh bien, il devra dire la bracha de Shehakolni et Abidvaro que tout a été créé par la parole de Shalom. Et sur ça, il y a Rabbi Tarfon qui vient et qui me dit non, Boré Nefeshot Rabot. Tu diras avant de consommer la bracha de Boré Nefeshot Rabot. Ok? Ça, on ne retient pas la vie de Rabbi Tarfon, on tient comme Chachamim qui te dit de faire la bracha de Shehakolni et Abidvaro lorsque tu veux avant de boire. Par contre, après avoir bu, alors là, tu feras bien sûr la bracha de Boré Nefeshot Rabot, parce qu'en fait, après consommation, tu as soit le Birkat Amazon, soit le Me'en Shalosh, le concentré des trois brachot, donc on a dit sur les sept espèces, et sur tout le reste des autres aliments que tu manges en quantité qui apaisent un petit peu, un Revit ou un Kazaït, un Revit en liquide, et un Kazaït en consommation, dans ce cas-là, tu feras la bracha de Boré Nefeshot Rabot. La bracha de, juste signification, Bartholomew nous rapporte la bracha de Boré Nefeshot Rabot, je le fais très rapidement, en très court, il y a deux manières de comment dire la bracha de Boré Nefeshot. Il y en a qui disent Boré Nefeshot Rabot, c'est Chesronan. Point. Al kol ma shabarata la chavel nefesh kol chay baruch hay olamim. C'est comme ça que le Bartholomew va selon sa avis. Et il y en a qui ne disent pas comme ça. Boré Nefeshot Rabot. Vechesronan al kol ma shabarata. Le achayot ben nefesh kol chay baruch hay olamim. Ces deux significations de la bracha. Je vais rester sur le pirouche du Barthénois qui coupe la bracha vechesronan, boré nefeshot rabot, vechesronan, point. En fait, on a une double bracha dans cette bracha de boré nefeshot.
D'abord, tu dis merci sur le fait qu'Hachem nous donne ce qui nous apaise nos besoins concrets. Sans pain et sans eau, un homme, il meurt. Mais s'il a du pain et de l'eau, il ne meurt pas. Mais est-ce qu'il se sent bien? Parce que ce n'est pas plus agréable de manger de temps en temps de la viande, des fois des légumes, des protéines, toutes sortes d'apports, de bienfaits. Alors, la bracha de Borei Nefeshot, elle est coupée en deux. Borei Nefeshot Rabot, Vechesronan. On remercie Hachem qu'il a créé beaucoup d'âmes et leur manque, et qu'il leur donne leur manque, d'une part. Et en plus de ça, alcool, mâché baratan, la chayot benfesh, surtout les suppléments que tu as rajoutés à l'homme, la chayot benfesh pour le motiver encore plus et lui donner encore plus de vitalité, c'est agréable quand on mange quelque chose de bon, on est joyeux, on se sent bien. Alors sur ça, on fait une deuxième bracha, baruch chay olamim, ou bien comme nous dit le Bartanura selon le Yerushalmi, il fallait dire baruch ata Hashem chay olamim. On fait une deuxième bracha, et en fait cette bracha, c'est une double bracha, où on remercie Hashem d'abord qui nous donne nos besoins vitaux, et en plus de ça, qui nous donne, comment dire, nos besoins moraux pour se sentir encore plus en forme et plus heureux, en mangeant des choses agréables qui réjouissent et apaisent encore plus, alors c'est une deuxième bracha, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout le monde sait là.